À droite. Continue, continuez, continuez. Je vais pouvoir redescendre. Ils vont prendre des bâtons. Ils vont semblant de... Ah oui. Oh non, tu fais semblant de bâtonner. Tu fais semblant de bâtonner. Allez. Quoi? Non, fais semblant. Ah ben regarde l'appareil. Il prend une photo ou il filme? Ça filme. Ah bon? C'est bien, bravo fait. On a vu le... On a vu la montée du... La montée, oh, la honte. Avec les grosses fesses sur le cerf. Oh. Allez, Udada. Il a perdu une corne. Ah, oh, là, oh, le pauvre. Il y en a un qui sait. Oh, on voit pas bien, c'est contre-jour, c'est horrible. On l'appelle Roger aussi. Il a trouvé un chasseur. Bon, allez, go. Arrive, descendez. Ah oui, les vents. Il décolle assez vite, hein. Bah oui, hein. Une sacrée portée. T'es crigné? Comme ça, ceux qui seront là-haut, ils vont voir mon prénom. T'as qu'à leur donner ton MSN? Oh non. T'as encore un autre avion qui décolle. Quoi? Encore un autre avion qui décolle, tu veux même pas voir ça? Bah, regarde. Quel niais. Il est plat, hein. Oh, mais il est plus court, celui-là. Oh, ça décolle dur, hein. Ah, il va nier. Le petit chalet de la montagne, magnifique. Il guette, il est dans le fond, il n'a pas voulu m'attendre. Ah, il est malin. Donc voilà, le chalet dans la montagne. Alors je me filme encore une fois parce que personne ne me filme. Voilà, un petit 360, enfin, presque, parce que j'ai le bras qui a du mal. On est dans les kékés, on est dans les hors-piste, direction 1100 mètres. Et nous repartons. Passe à travers les rochers, ça va être chouette! Ah, c'est bien. Vas-y, tourne par là. Entre les rochers, là. Tu devais même pas croûter, c'est nul. C'est chaud, mais c'est bon. C'est extra au beurre ici. Ah, bien, en fait, non, je pense qu'on va aux alus là plutôt. Parce que là ici, je vois passer. On arrive là, de toute façon. Ah, bah oui, on arrive déjà. Même pas drôle. Ah, bah oui, là.
Par contre, je sais pas où on va là. Ah bah si, je crois qu'en VTT, on devait arriver d'en face. Puis on montait. J'ai l'impression qu'il va falloir marcher là, un peu là. Il y a des chances, oui. Je sais pas du tout où on est là. Il n'y a plus de neige. Il n'y a pas de piste, pas de neige. Il nous va bien. On va un peu descendre sur la gauche, mais c'est moyen. Oui, c'est moyen, oui. Ah merde, il n'y a pas du tout de piste, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il y a... C'est là-bas à droite ? Non, à gauche. Ouais. On va tenter le câble là, jusqu'au bout. Oh, oui, il y a un passage là. Ça doit être ça. Tout à fait sympathique. Hein ? Ah ouais ? Ah bah oui, on est loin des alleux alors. On va être entre les deux pour un peu être trop bas. Merde. Oh, il y a un rondon de bois incroyable. Ouais, mais Ah oui, c'est juste là. Ah bah oui. Oh bah merde, on a peut-être assez loin. On a qu'à continuer. Par contre, pour descendre, bah oui, mais tu vas où après ? Eh bah on va avancer, si, on va avancer. On va continuer. Hein. Si, bah, si. On va aller où ? Allez, c'est parti, les alleux. Bah, bah. Il n'y a pas de remontée là-bas ? Mais si, ça c'est le deuxième tronçon. Ah, Guéguette qui fait un saut. Est-ce qu'il va réussir à monter jusqu'au-dessus de la barricade ? Bah si ! Oh la fiotte ! Parce que j'avais peur que je sois un peu plus haut. Bah oui, faut faire plusieurs fois avant de. Les boss. Oui, et bah je suis frais, effectivement. Oui, wouhou, olé. Freinez là. Extra. En voilà le triseau. Ah. En gros plan baveux. Hop là. On va voir s'il fait un gros dérapage. Sûrement. Le dérapage du triseau. Même pas. Ah bah je vois plus. Ah si. L'amélioration se poursuivra, elle s'amplifiera même sur la maison. Voilà, les bonhommes assis. Les bonnes femmes. En train de faire la cuisine. Comme d'habitude, hein, de toute façon. Hein. Bah oui. Et bien encore, faut les supplier de venir manger parce qu'elles sont jamais prêtes. Bah oui. Alors, ça change pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous pourriez nous aider, hein ? Bah moi je filme. On avait dit, quand on est parti, il faut que tu nous mettes la main à la pâte. Bah, ouais. Moi je mets ma pâte. Même le filmeur. Peut-être demain c'est film camisé, résumé. Même le filmeur, il a ouvert la boîte, mais l'ouvre-boîte, il l'a mis là au lieu de le mettre en place. Bah je dis à Catherine de le ranger. Bien sûr, c'est facile, hein. Eva qui vient de sortir de sa douche. Tiens. Là. Oh, la triseau. Bah, c'est pas une carrette. Tu débouches la bouteille à passer un carré. Oh, j'ai du champagne. Cobben, il commence à s'inquiéter là. De quoi ? Que c'est du champagne. Ouais, c'est de la clairette de Guille. La clairette de Guille. Bon, moi je suis une douille, moi je peux même pas m'asseoir. Oh, bah lui il est gentil. L'ordinateur, tu peux pas t'asseoir sur le. Ah, bah oui. Il arrive pas à péter, il a un peu des soleils. Il est pas honte. À chaque fois il se lève pour péter. Vas-y, j'ai un bon remonté dedans. Attends, demain on dira c'est la fin de ce jour. Eh bien, c'est bientôt la fin de ce séjour. De ce séjour, oh, mais à Méribel. Ça commence bien, mais ça finit mal. Hein. Ça avait provoqué des affrontements entre miliciens et opposants. Il y a eu des morts, c'est dans le quartier de Tadjoura. Et ce matin, tout l'est de Tripoli est interdite aux journalistes. Kadhafi, son clan, sa famille, les dignitaires du régime sont réunis en session permanente aujourd'hui. La propagande veut montrer qu'il tient le pouvoir et qu'il est soutenu. Et puis, ils ont du mal quand même à convaincre parce que les téléphones, les SMS restent brouillés pour empêcher les Libyens de parler entre eux, et les étrangers ne se trompent pas. Ils
sont des centaines sur le port Rachid-Dubertot. Ils sont des milliers à l'aéroport à attendre un hypothétique avion. Le sauf qui peut continue. Merci. La geek, la triso-geek. Bah si, c'est marqué là pour mes séances. Il a été fermé durant les jours des meutes, mais aujourd'hui, les États l'offrent une parité. Tu disais que tu l'avais pas l'ordonnance. Ah si, l'ordonnance, je n'ai pas papier pour faire les autres séances. Je n'ai pas besoin d'aller retourner chez le médecin traitant. Ah bah, non, c'est et les consommateurs... Vas-y, tire la langue. Kazuba. On revient sur Os. Toujours en train de jouer. La triso geek. Les boutiques de vêtements ont aussi ajouté à leurs articles la vente de drapeaux révolutionnaires. La circulation a repris, mais les écoles et les universités sont toujours fermées. Beaucoup de magasins ont rideaux baissés, pas seulement parce que c'est jour de prière, mais certains ont peur, manque d'employés ou de stock, comme nous l'explique ce pharmacien. On a à peu près tout, sauf des analgésiques, des anti-inflammatoires et des seringues. Ça fait bizarre quand il... De l'Égypte proche arrivent cependant des camions de soutien avec des médicaments et des produits. Certes, la vie économique tourne même au ralenti, les grandes entreprises, les grands magasins sont fermés. Si les petits magasins peuvent offrir de l'alimentation, des convois d'aide humanitaire arrivent cependant aujourd'hui. Vous voyez, parmi ces camions, effectivement, on parle de l'Ibéniti, un convoi humanitaire français qui est arrivé du Caire avec du matériel. Bah, de toute façon, déjà, dès que c'est allumé, c'est rouge. Alors. Ce matin ? Bah oui. Avec moi ? Non, tout seul. On a chez le kiné. Heureusement, j'ai tombé celui sur l'épaule gauche. Ma dernière, dernière après-midi. Dernière après-midi. Voilà. Avec un peu plus de nuages que d'habitude, mais c'est pas plus mal. On voit le sommet enneigé et puis le bas moins enneigé. Oh, là-bas, c'est magnifique. Elle est où ? Océane ! Je vois pas moi. Elle est là-bas, Pépère. Ah oui, je vois Eva. Eva ! Je pensais qu'ils entendent. Ah, c'est chouette tous les chalets là, dis donc. Magnifique. Termine le séjour à Méribel.